monsieur. L'homme? Quel homme? Le charpentier. Alors vite, fais-le rentrer. Mais grave-toi ça bien dans le crâne, bras gauche. Quoi donc, monsieur? Ne fais jamais patienter un charpentier. Ça porte malheur. Souviens-toi-en. Mais monsieur, merci du conseil. Allez, fais-le rentrer! Je vous en prie, prenez place. Bien, je vous sers quelque chose à boire. Bien, comme vous voulez, charpentier. J'ai besoin de vos services. Vous ne serez pas sans savoir comment peut-il faire. Docteur Junior m'a volé une importante somme d'argent. Le vendredi qui vient, le 17, si je ne m'abuse. Une importante livraison de 17 canettes de jus de fruits. Arrivera au quai Auschwitz de 17h. Je sais pas long, ça. Enfin, si je souhaite que ces différents jus de fruits soient vendus au supernet, il me faut cet argent. Vous comprenez? Parfait. Pour ce travail, vous gagnerez de l'argent. Le double quand le travail sera effectué. Je suppose que vous acceptez le travail. Yeah, man. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où se cache Poutre Junior? Allez au diable! Je suis payé pour le protéger! Ah oui? Par fumier! Je ne dirai rien! Tous les hommes de Poutre Junior sont loyaux! Personne ne vous dira où il se cache! Ah. Hey, vous! Je peux vous aider? Mais naturellement. Je recherche Poutre Junior. J'ai une photo de fin d'année à lui rendre. Oh, mais naturellement. Il se trouve au sous-sol de cette maison. Merci, mon vieux. Il n'y a pas de quoi. Hey! Hey! Retourne-toi. Tu ne comprends pas, charpentier.
Tu es dans une affaire qui te dépasse. Non! Je n'ai pas sans savoir comment peux-tu faire pour que le junior m'a volé une importante somme d'argent. On ne tue pas le charpentier! It's the same and it always will be. The easiest pick and the fox is from a tree. But I can't get no satisfaction.